Dans cette séquence, nous allons parler essentiellement de langages de programmation de manière euh, dit assez générale et puis de ce qui, en particulier qui a été le véhicule qui permettait effectivement de euh, faire ce mock. Alors, les langages de programmation en fait sont des systèmes d'écriture qui sont dotés de deux aspects que maintenant vous devez bien maîtriser des aspects syntaxiques et des aspects sémantiques. La syntaxe ne s'occupe que de la forme des programmes, mais une forme, je dirais, de très bas niveau, qui est comment ils s'écrivent, quelles sont les grammaires qui les régissent. C'est ce qui permet effectivement d'obtenir des phrases sensées, euh, ou du moins raisonnables, dans le langage où on est. La sémantique, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut la valeur et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut exécuter ce programme-là. Et un certain nombre de choses. S'écrivent de façon, de façon intéressante en termes de syntaxe, d'autres sont forcément liés à la sémantique du langage de programmation. Donc, le langage, en fait, de quoi il est composé Eh bien, si on regarde ce qu'on a vu, en fait, il est composé d'un certain nombre de mots-clés et d'un certain nombre de fonctions. Ce qui est important dans un langage, ce n'est pas tant les fonctions. Qu'un langage en ait 50, comme ce que l'on a vu aujourd'hui dans la carte de référence, ou qu'il en ait 10 000, ça ne change pas la nature du langage. Ça change des tas d'autres qualités, mais ça ne change pas la nature du langage. La nature du langage, en fait, est déterminée par les mots-clés qui existent dans ce langage. Les mots-clés sont des choses qui sont prédéfinies. Les fonctions, ce sont des choses qui vont, qui viennent. Euh, ce sont des choses que vous pouvez vous-même définir. Donc on voit bien, en fait, que la, l le, comment dire, la complexité du langage ne vient pas tant du nombre de fonctions que du fait qu'il y a des fonctions. Alors, les. Les, comment dire, les langages de programmation sont dits complets au sens de Turing, c'est-à-dire qu'en fait, tout langage raisonnable, et ce n'est pas difficile d'être raisonnable en termes de langage de programmation, est complet au sens de Turing, c'est-à-dire qu'on peut y écrire toute fonction calculable. Il euh, y a des tas d'adjectifs qui, qui, qui sont attribués au langage de programmation, et je voudrais en décrire quelques-uns, notamment la régularité. Scheme, le langage que nous, avons suivi pour ce, que nous avons utilisé pour ce mock, est un langage où la syntaxe est extrêmement régulière, puisqu'en fait, il y a très très peu de cas d'interdiction. La seule interdiction qui existe, c'est que vous ne pouvez pas écrire des définitions de fonctions, la, la, le mot-clé define vous ne pouvez pas les mettre n'importe où. Mais à part ça, tout le reste comment dire, est permis. Si vous voulez mettre un if dans la condition d'un if, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre un let dans la condition d'un if, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a pas toutes ces irrégularités qui existent dans beaucoup de langages de programmation où il faut retenir qu'on n'a pas le droit d'écrire ça à cet endroit-là, etc. En scheme, tout est permis sauf de mettre des define n'importe où. Donc il n'y a qu'une seule et un seul cas d'exception. La puissance d'un langage, c'est le fait effectivement que l'on peut écrire simplement ce que l'on désire. Et c'est en général assez lié au nombre de fonctions qu'offre ce langage-là. Alors, Scheme est un tout petit langage. Si vous regardez la norme de Scheme qui fait une cinquantaine de pages, il y a environ une centaine de, dire, de, de fonctions, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à d'autres langages qui en ont quelques milliers. Je pense qu'un langage comme Common Lisp, par exemple, doit faire dans les 2 à 3000 fonctions. Euh, si vous regardez les bibliothèques standard d'un langage comme C ou C++, on commence à être à de l'ordre de 3, 4, 5 000 fonctions. Donc, ce sont des langages qui sont extrêmement riches. Le problème du nombre de fonctions est que lorsque ça dépasse un certain niveau, l'entendement a du mal à rémémoriser toutes les fonctions qui existent. Et donc, vous passez plus de temps à trouver la fonction qui va vous résoudre votre problème qu'à l'écrire si vous aviez le, comment dire, le courage de le faire. La complétude, c'est effectivement le fait de pouvoir écrire tous les, langages, tous les programmes que l'on a envie de faire. Et c'est vrai que, en termes de structure de données, vous avez des langages qui vous offrent par exemple les tables de hachage. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est à cet instant précis. Mais si vous ne les avez pas, vous devez les reprogrammer. Et ça, c'est un petit peu gênant. Le confort, le confort est lié principalement, non pas au langage, mais à l'environnement de développement, de programmation que vous avez. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce MOOC, nous avons Mister Scheme, qui est un tout petit environnement de développement, mais qui effectivement est bien insuffisant si vous aviez à écrire des programmes qui faisaient, qui feraient quelques milliers de lignes. C'est un véhicule pédagogique, on va dire, fort intéressant, mais pour les petits programmes que l'on est amené à écrire dans ce MOOC. La précision et l'efficacité. L'efficacité euh, peut être vue de deux manières différentes et les langages font des choix pas forcément comment dire, euh, semblables. L'efficacité peut être vue soit comme l'efficacité pour écrire des programmes dans lesquels vous cherchez à optimiser l'efficacité du programmeur, soit l'efficacité en termes de programme que vous avez écrit que vous voulez voir tourner très rapidement sur votre machine. Et donc là, on parle de l'efficacité du code qui a été... Compilé ou interprété par la machine. C'est deux choses différentes, mais évidemment on veut les deux. C'est-à-dire qu'on veut des programmes qui soient à la fois efficaces quand ils sont exécutés et à la fois efficaces à écrire, c'est-à-dire dans lequel on ne passe pas beaucoup de temps à les mettre au point. Enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les langages très souvent sont en fait adaptés à des niches écologiques très particulières et que y a très rarement un langage qui remplace totalement un autre. En fait, en général, quand un nouveau langage s'impose, c'est dans une nouvelle niche écologique qui vient de se créer et dans laquelle le langage, en fait, marche bien, fonctionne bien, est, ad est adopté. Et si cette niche croit, le langage aura du succès. Si cette niche ne croit pas, le langage mourra. Il faut bien voir qu'en termes de langage de programmation, on en est à plus de 10 000 créés dans les 50 dernières années, mais qu'en fait, au-delà, disons du, de 20 ou 30 aujourd'hui existants. Euh, le reste et tous les, les autres euh, on dira, langages de programmation sont quasiment morts. Donc les niches écologiques sont très particulières. Le, la niche écologique de Scheme, par exemple, est double. Il y a l'enseignement, pour effectivement l'initiation, et la recherche, car il se trouve que la sémantique de Scheme est extrêmement simple et tient sur une demi-page d'équations de, et de lettres grecques, ce qui la rend fort propice à des euh, variations euh, pour essayer d'inventer de nouvelles façons d'écrire des programmes. Alors, tout ça pour dire que une des euh, choses, en fait, que, un des buts que s'est fixé le langage Scheme par rapport à son ancêtre qui était Lisp, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir la base minimale qui permet toujours d'avoir toutes les propriétés que j'ai mentionnées, mais chaque fois qu'il y avait quelque chose qui pouvait être écrit avec les choses que l'on considère comme étant prédéfinies, cette chose a été retirée en disant « non, non, si on peut la reprogrammer soi-même, ce n'est pas, pas la peine de la mettre dans le langage ». Donc Scheme, en fait, a subi un processus de, je dirais, de concentration de manière à devenir un concentré linguistique des seules choses qui sont vraiment importantes et tout le reste, en fait, a été retiré en disant « non, non, si vous pouvez le programmer, ce n'est pas la peine de le mettre dans le noyau dur du langage ». Le, le langage Scheme, en fait, euh, obéit à une norme, donc une norme I3E puis une norme euh, comment dire euh, ISO, qui fait une cinquantaine de pages. Et c'est le seul langage dans lequel la norme est aussi petite. Les autres langages ont au minimum des normes qui font en gros 200 à 300 pages. Si vous regardez la norme de C, je crois qu'actuellement elle fait 600 pages. La norme de C doit faire dans les 1500 pages. Tout ça pour vous montrer en fait que. Euh, on a cet effort de réduction en scheme a vraiment été fait.